Bonjour, chers collègues, merci de votre présence. Je vous prie d'excuser la présidente Yaël Braun-Pivet qui ne peut pas être présente parmi nous ce matin et qui m'a demandé de la suppléer. En octobre 2017, soit un an avant la crise des Gilets jaunes, le CEC, le Comité d'évaluation et de contrôle, a inscrit à son programme de travail, à la demande des groupes GDR et MODEM, une évaluation de l'accès aux services publics dans les territoires ruraux, pour laquelle il a demandé l'assistance de la Cour des comptes, qui a présenté ses travaux en mars 2019. Nos collègues, Jean-Paul Dufrègne et Jean-Paul Mattei, ont alors pris la suite et formulé 23 propositions présentées au CEC en octobre 2019. Celles-ci contenaient notamment la couverture numérique, les mobilités, la santé, l'accompagnement et l'accès mutualisé à des services publics dématérialisés, la définition et la gestion de ces territoires peu denses. À cette même période, une mission à laquelle participait notre collègue Daniel Labaronne formulait quelque 200 propositions pour un agenda rural devenu la feuille de route du gouvernement en faveur des territoires ruraux et dont le second volet est attendu prochainement. Au cours de sa réunion du 20 octobre 2022, le CEC a désigné deux rapporteurs afin de procéder au suivi de cette évaluation, Madame Mathilde Jonquière, membre du groupe DEM, et Monsieur Pierre Morel-A-L'Huissier, membre du groupe LIOT. Nous allons donc examiner aujourd'hui les suites qui ont été données aux 23 recommandations faites en octobre 2019. Mesdames et Messieurs les rapporteurs, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, avant tout, nous tenons à remercier vivement les administratrices qui nous ont accompagnées, qui nous ont soutenues, voilà, toute l'équipe. Depuis notre désignation comme rapporteur en octobre dernier, nous avons organisé 9 tables rondes thématiques, une visite également sur le terrain. D'où il ressort que depuis 3 ans, effectivement, la prise en compte des territoires ruraux s'est améliorée. Seules 4 des 23 propositions qui ont été formulées en 2019 n'ont à ce jour pas fait l'objet d'un début de mise en œuvre. Pour autant, toutes les autres actions qui ont été engagées doivent être à ce jour confortées et pérennisées. Notre rapport va s'articuler autour de 6 thématiques: la définition et la prise en compte des territoires ruraux dans les politiques publiques, la couverture numérique, l'accompagnement à la réalisation des démarches dématérialisées, les maisons France Service autour desquelles s'articulait un tiers des propositions de 2019, la santé et les solutions innovantes en matière de mobilité et d'espaces d'activité partagés. Nous avons partagé notre temps de parole entre nous deux en fonction des thématiques abordées, donc je cède la parole à mon collègue. Merci Mathilde. Oui, ça a été un véritable plaisir de travailler avec toi sur ce rapport. Je salue la présidente et les administrateurs du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Je voudrais aussi rappeler que Jean-Paul Dufrègne et Jean-Paul Mattei ont fait un très bon travail, que depuis l'action gouvernementale a été portée à travers des mesures de l'agenda rural, mais on note quand même toujours et encore de l'anxiété, des difficultés en milieu rural, avec cette notion de recul des services publics, un sentiment d'abandon, l'absence d'action pour certains des pouvoirs publics. Alors, ce qui est intéressant depuis les derniers rapports, c'est que l'INSEE a fait une redéfinition très précise de la typologie des territoires ruraux. Et ce n'est pas inutile d'avoir une vision nouvelle des territoires ruraux, sachant que désormais, on considère que 88% des communes constituent le territoire rural pour 33% de la population. Il y a quelques années, on retenait 80-20, donc il y a une évolution dans l'analyse de la ruralité. On note aussi également un regain d'attractivité ou de souhait de venir en milieu rural post-Covid. Il y a une meilleure lisibilité peut-être du monde rural à travers les études qui ont été faites, mais toujours quand même beaucoup, beaucoup de difficultés. La France se situe dans le top niveau au niveau des territoires ruraux. L'Europe a une moyenne de 28% de population, et donc la France est au-dessus de cette moyenne. On assiste depuis un certain nombre d'années à un engouement pour la ruralité, dans la notion de changer de vie, la notion de jeunes actifs avec le télétravail. Mais aujourd'hui, on a la nécessité de réimplanter l'État dans les territoires. Pourquoi cette problématique? C'est qu'il y a quelques années, la RGPP, la Révision générale des politiques publiques, avait conduit à une réduction assez drastique du nombre de fonctionnaires dans les territoires ruraux. On note moins 25
5% de fonctionnaires entre 2010 et 2020, notamment dans les préfectures, notamment dans les cadres A, et ça induit une perte des guichets d'accueil des citoyens. Aujourd'hui, l'augmentation du nombre de fonctionnaires est en cours. On en parlera dans le cadre de France Service. On a également la réouverture de sous-préfectures, 6 qui sont programmées. La réouverture ou la création de 200 gendarmeries, directes ou mobiles. Un certain nombre de délocalisations de fonctionnaires d'État. C'est le cas de 1400 fonctionnaires qui sont attendus en délocalisation. Je prends l'exemple de mon département, Mende, où l'État a décidé de créer la publicité foncière. Donc il y a un service publicité foncière à la DGFiP. La sécurité civile aussi, avec les 200 000 pompiers volontaires et le maillage des centres de secours qui sont une orientation très importante pour nous. Mais ce sentiment d'abandon existe toujours. Familles rurales, associations bien connues, fédérations bien connues, ciblent les services publics, la santé, l'emploi, les commerces de proximité, également la difficulté de se déplacer et notamment l'entretien des routes. L'augmentation du prix de l'énergie, avec perte de pouvoir d'achat, 30% de plus de dépenses en milieu rural du fait de l'énergie, fuel, essence et chauffage. La typologie de la ruralité a beaucoup changé. La sociologie même de la ruralité a changé. Les populations sont diverses. Qui dit ruralité ne dit pas agriculture ou agriculteur exclusivement. Il y a beaucoup d'acteurs nouveaux dans la ruralité. Il y a notamment des retraités qui viennent chercher un cadre de vie et peut-être un peu plus de sécurité dans ce qu'on entend. Notamment des personnes qui viennent de Nice, de Cannes, et qui soulèvent le problème de l'insécurité. Ça peut être aussi un choix de deuxième partie de carrière pour des cadres et des jeunes actifs. Il y a un déficit dans le milieu rural des 18-25 ans. On le comprend, ils vont faire des études et ils quittent momentanément le territoire rural. L'engouement, on le voit, sur 12 000 Parisiens qui quittent chaque année Paris et qui vont plutôt sur des territoires ruraux. On a mis en France, on a mis beaucoup d'outils pour essayer de répondre à des problématiques de ruralité. Beaucoup de schémas sur lesquels nous nous sommes interrogés avec Mathilde, qui complexifient les choses. On a créé l'Agence nationale de cohésion des territoires, forte de 340 agents, avec toujours le problème de ces agences autonomes qui peuvent également complexifier les choses. Elles développent un certain nombre de programmes. La lisibilité n'est peut-être pas tout à fait au rendez-vous et il y aura, et je sais qu'actuellement, et nous savons qu'à l'heure actuelle, il y a une étude sur le résultat de la création de cette agence. Les contrats de ruralité ont été modifiés par des contrats de relance et de transition, les CRTE, et puis nous sommes beaucoup interrogés sur le rôle des préfets, des sous-préfets, et nous estimons que les préfets départementaux et les sous-préfets ont un rôle majeur en matière de réattractivité de la ruralité. Enfin, il était prôné dans le rapport précédent des référents ruralité. Nous sommes toujours dans cette orientation avec une notion de mission interministérielle ruralité et que dans chaque cabinet ministériel, dans chaque administration centrale, dans chaque préfecture, il y ait un référent ruralité dédié. Ce n'est pas encore le cas, moins de 30% dans les préfectures. Ensuite, ça se pose le problème de revoir toutes les dotations pour le milieu rural, avec cette fameuse péréquation horizontale ou verticale qui pose toujours problème, revoir les calculs de la DGF, et puis on a le problème récurrent des ZRR qui ne sont pas très aimés par le ministère de l'Économie et des Finances, mais qui pour nous constituent une mesure de discrimination positive pour les territoires ruraux. À l'heure actuelle, le préfet Philizot est en train de faire une étude d'évaluation et d'ici la fin de l'année, nous devrions avoir une nouvelle orientation en matière de ZRR. Je laisse la parole à Mathilde. Merci Pierre. Alors, donc, après cette première partie, la deuxième partie, la couverture numérique des territoires ruraux. Effectivement, avec la dématérialisation des services publics et le développement du télétravail, la couverture numérique est devenue un véritable service de base comme l'eau, comme l'électricité. Et c'est pour cela justement qu'en 2019, nos collègues avaient fait de la couverture numérique des territoires ruraux un préalable à l'accès aux services publics.
Alors aujourd'hui, si on constate encore des difficultés, des dysfonctionnements qui effectivement demeurent, la couverture numérique du territoire s'est pour autant nettement améliorée depuis cette année-là. Un nouvel objectif a été défini, généralisant la fibre optique jusqu'à l'abonné. Mi-2022, 98% du territoire était couvert par au moins un opérateur en 4G, tandis que 77% des locaux du territoire national étaient raccordables à la fibre. Alors raccordable, pour autant, ça ne veut pas dire raccordé. Je pense qu'on a tous un certain nombre de dossiers sur nos territoires de cette problématique justement de raccordable raccordé. Malgré sa progression donc incontestable, le déploiement de la fibre reste nettement supérieur dans les zones denses, 90%, que dans les zones peu denses, 62% en zone RIP où la commercialisation atteint seulement 50%. Et plusieurs départements à dominante rurale dépendent à plus de 25% du réseau cuivre. Par ailleurs, la question des raccordements les plus complexes, justement, et plus coûteux, se pose également, comme aussi l'entretien de ce réseau cuivre donc qui va s'arrêter en 2030. Les rapporteurs de 2019 avaient recommandé d'assurer la couverture numérique très haut débit dans les territoires ruraux en recourant au mix technologique pour permettre un accès généralisé au réseau et aux usages. En attendant, la fibre, les locaux dont les réseaux filaires ne permettent pas de fournir du très haut débit peuvent recourir aux solutions hertziennes alternatives pour lesquelles une aide de l'État pouvant aller jusqu'à 300 euros, voilà 600 euros pour les ménages les plus fragiles, effectivement, est possible. Pour autant, plusieurs requêtes font état d'une moindre qualité de l'Internet mobile que nous avons renseigné dans le rapport. Après, le défi de la qualité des raccordements et de l'entretien du réseau, c'est vraiment un vrai gage de la continuité numérique. Je l'ai abordé assez rapidement là, mais c'est vrai. En tout cas, il y a différents points, mais le point sur lequel on s'est le plus interrogé, c'est la fermeture du réseau cuivre qui est prévue à l'horizon 2030. Et ça suscite d'énormes inquiétudes et des problèmes, effectivement, de maintenance. On se pose véritablement des questions par rapport à ça. Et effectivement, le déploiement rapide du réseau a permis à la France de devenir, en une dizaine d'années, l'une des meilleures élèves de l'Europe. Ça, c'est très bien. Mais le recours à l'externalisation d'interventions de terrain sans un contrôle de qualité est à l'origine de dysfonctionnements pour lesquels les élus locaux sont quasiment quotidiennement sollicités. En 2022, 58% des consommateurs déclaraient avoir rencontré un problème avec leur fournisseur d'accès à Internet. Donc, c'est une vraie problématique. Pour y remédier, les opérateurs et les représentants de la filière des infrastructures numériques ont en septembre dernier pris des engagements devant le ministre chargé de la transition numérique et la présidente de l'ARCEP, autorité qui a réalisé de nombreux contrôles sur place. Vous trouverez le détail dans notre rapport, mais en tout cas, c'est vraiment un vrai sujet d'inquiétude, cette problématique entre ce qui effectivement est... Enfin, voilà, c'est vraiment, j'insiste à nouveau beaucoup, mais sur cette notion de raccordable et raccordé, ce qui est vraiment le vrai point d'inquiétude. Et je te repasse la parole. Oui, comme vient de le dire Mathilde, le numérique s'est installé, les réseaux sont en cours d'installation et aujourd'hui on fait du tout numérique un peu partout dans ce territoire français. Mais on s'aperçoit que ça pose quand même de sérieuses difficultés à tout niveau. Parce qu'aujourd'hui le numérique tend à être le principal canal d'accès à un certain nombre de services publics. Et un bon nombre de citoyens ont des difficultés, y compris des jeunes, contrairement à ce qu'on peut penser. La dématérialisation avait fait l'objet d'un rapport de M. Toubon, défenseur des droits, qui avait dénoncé des difficultés au niveau des citoyens avec la suppression des guichets physiques et des fois même la suppression de l'accueil téléphonique. Et donc, il fallait impérativement passer par le dispositif numérique, ce qui pose d'importants problèmes. On considère aujourd'hui encore que 13 millions de personnes en France sont en difficulté pour l'accès numérique. C'est assez conséquent. Et il y a eu des avancées, notamment l'accompagnement des usagers à travers des conseillers numériques, ça a été une évolution, dans les espaces France Service notamment. Il y a 4000 conseillers numériques formés. Le pass numérique également qui a été mis en place, mais on constate encore des difficultés. Les jeunes le disent eux-mêmes, entre 18 et 24 ans, indiquent avoir eu des difficultés pour des démarches en ligne et avoir eu même des difficultés pendant la période Covid. Et c'est assez net dans les analyses qui ont pu être faites. Donc les orientations aujourd'hui, pour faire simple, il faut accélérer sur la formation
des jeunes à l'école, au collège, au lycée, faire des relais numériques, et c'est sous l'autorité de l'Agence nationale de cohésion des territoires, et beaucoup d'associations font des stages, des accompagnements, comme Famille Rurale, à travers des séminaires et des activités locales pour essayer de contrecarrer les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui. Et c'est un travail en cours, mais on constate aujourd'hui. Pour vous donner simplement un chiffre, le défenseur des droits reçoit 115 000 réclamations par an, dont 91 000 qui concernent les services publics. Donc la réponse de l'administration aux citoyens. Et derrière cela, il y a beaucoup, beaucoup de problématiques sur l'Agence des titres sécurisés, l'ANTS, la CAF, la CARSAT, les préfectures sur le droit des étrangers. Tout ça pose d'énormes problèmes au niveau des citoyens. Et je sais, ou en tout cas je peux dire un peu en avant-première, que le ministre Guérini est en train de proposer des modules qui permettraient d'accélérer et d'améliorer la réponse des services publics aux citoyens. Tu continues. Alors effectivement, quatrième partie, France Service. Alors c'était une réponse de premier niveau à l'éloignement des services publics. Effectivement, en 2019, les rapporteurs de 2019 avaient logiquement fait des maisons de services publics qui sont devenues France Service une question centrale de leurs travaux, en y consacrant d'ailleurs 7 de leurs 23 propositions. 3 ans après la mise en œuvre de ce dispositif, nous avons plus de 2500 espaces France Service proposant l'accès au moins à 9 partenaires socles. L'objectif fixé par le président de la République est donc atteint et une nouvelle vague de labellisation a été annoncée, dont nous souhaitons effectivement qu'elle soit prioritairement destinée à améliorer le maillage des territoires ruraux où les problèmes de mobilité sont vraiment les plus importants. À la préconisation du rapport de 2019 de recentrer les maisons France Service sur les bassins de vie, justement avec un temps d'accès maximal de 20 minutes. Il existe également les bus France Service. Il y en a 140, dont 55 seulement circulent uniquement en ruralité, tandis que les 156 espaces multiservices sont presque tous en ruralité. La Banque des Territoires également a consacré 3 millions à ce dispositif et elle envisage d'ailleurs, courant 2023, un nouvel appel à manifestation d'intérêt consacré à des solutions d'aller vers. Ces solutions mobiles sont très pertinentes puisqu'elles permettent de lutter contre le non-recours et de résoudre... elles permettent effectivement de résoudre ces problèmes de mobilité. Les permanences France Service également en mairie constituent des solutions extrêmement efficaces car tous les administrés, les habitants des communes, pour eux, la mairie est vraiment un point de repère et c'est la première justement des maisons de services publics quand on a une difficulté, on rencontre une problématique, effectivement on se retourne vers sa mairie. Donc la solution de France Service au sein de la mairie est vraiment c'est le meilleur, on trouvait que c'était vraiment le meilleur endroit. Et comme vous le savez, justement, les maisons France Service sont portées aux 2/3 par les collectivités territoriales. Le bouquet de services est aussi un des socles du dispositif de cette entité. Il s'articule autour de 9 partenaires, la CNAF, la CNAM, le MSA, Pôle emploi, etc. Je ne vais pas tout vous lister, mais qui contribuent en tout cas par l'intermédiaire des agents France Service à la réalisation des démarches qui sont souvent dématérialisées concernant justement la santé, l'état civil et tous les documents administratifs dont nous pouvons avoir besoin. Beaucoup de maisons France Service ont élargi le bouquet. Alors, elles n'ont pas toutes élargi le bouquet de la même manière, leur bouquet de services. Donc, effectivement, il y a une disparité entre cet élargissement de bouquet. Pour autant, si un plus grand nombre d'opérateurs, contributeurs, faciliterait le financement du réseau, l'offre doit rester tout de même lisible et opérationnelle. Or, les agents France Service doivent maîtriser déjà plus de 200 procédures administratives et contre 80 par rapport aux anciennes maisons de services. Un exemple de partenariat à développer, le défenseur des droits. Donc 80% des réclamations portent justement sur le fonctionnement des services publics et qui est présent dans une centaine d'espaces France Service. Il a effectivement toute sa place dans ce dispositif, puisqu'il conduit notamment des médiations et qui effectivement sont toutes ces procédures très pertinentes dans le cadre de la proximité. L'accompagnement France Service correspond à un panier de services de premier niveau. Alors, c'est vrai que pour les demandes les plus complexes, les maisons France Service doivent disposer d'un canal de contact direct avec les opérateurs locaux. Si tous les opérateurs nous ont indiqué au cours de nos différentes auditions avoir un back-office joignable par téléphone, par mail ou par messagerie sécurisée, les modalités d'actualisation des contacts doivent être ajustées. Les rendez-vous par visioconférence sont également possibles, mais ils semblent un petit peu moins utilisés. Plusieurs opérateurs également complexent ce moyen de contact direct par des permanences physiques, par exemple la DGFiP pendant les campagnes fiscales.
Même si elle est encore imparfaite, cette organisation d'ensemble tend à satisfaire la proposition du rapport de 2019, consistant à prévoir un accès multicanal justement aux services publics. Le succès également de France Service repose véritablement sur ses agents. Nos collègues avaient préconisé en 2019 la création d'un métier d'agent polyvalent dédié à l'accompagnement du public avec une obligation de formation continue et la mise en place d'un plan national justement de formation et de certification des compétences. Les agents France Service sont aujourd'hui près de 7000. Beaucoup sont évidemment fonctionnaires territoriaux, d'autres fonctionnaires de l'État, agents de la Poste, de la MSA et autres. Ils suivent une formation initiale aujourd'hui obligatoire de 5 jours et demi, ce qui semble insuffisant au regard du nombre et de la diversité des procédures qu'ils ont à assimiler. Celle-ci est complétée par des webinaires et des supports en ligne par les opérateurs. Le renforcement de la formation initiale et continue, l'élaboration des fiches de poste, le référentiel, sont prévus pour 2023, ce qui constitue un pas supplémentaire vers les préconisations de 2019. Le comité de pilotage de France Service d'octobre dernier a prévu de porter la formation initiale des agents à 11 jours et d'étudier la faisabilité d'une académie permettant une meilleure coordination des formations. Ensuite, sur le côté, la question du financement. Le rapport de 2019 demandait d'avoir le programme France Service sur des financements pérennes et d'instituer un dispositif de mesure de coût de la performance. La circulaire France Service de juillet 2019 prévoit une participation forfaitaire au financement de chaque maison labellisée à hauteur de 30 000 euros par an, auxquels se sont ajoutés des financements de la Banque donc des territoires, de la DECIL, également de la DETR. Pour autant, donc ce financement effectivement qui est apporté à hauteur de 30 000 euros pour chaque maison France Service, mais un rapport donc, d'inspection a conclu que le coût moyen annuel d'une maison France Service est estimé à 110 000 euros. Le financement de l'État et des opérateurs laisse donc un important reste à charge aux porteurs de projets qui sont aux deux tiers des collectivités territoriales. Dans ce contexte, malgré les 12,5 millions supplémentaires récemment annoncés par le gouvernement, il est nécessaire de réfléchir à un système de financement qui soit soutenable et surtout pérenne pour les porteurs. Et ce d'autant que les opérateurs ont de leur côté exprimé leurs inquiétudes sur la progression de leurs financements respectifs liés justement au développement du réseau. Il est aussi nécessaire de mieux connaître l'ensemble des coûts des maisons France Service pour tout cela, pour améliorer. Je pense que je te repasse la parole, Pierre. Nous avons ensuite axé le rapport sur la santé. Alors, simplement pour resituer, il y a trois demandes récurrentes de la part des citoyens. C'est l'accès aux services publics, la santé et le numérique. Et aujourd'hui, depuis quelque temps, la première demande, c'est l'accès à la santé. Parce que quand on constate, et quand on essaie d'avoir une vision très objective, nonobstant ce que les syndicats médecins peuvent nous dire, il ressort que 63% des bassins de vie ruraux manque de médecins généralistes. Alors on nous dit que c'est également le cas dans certains quartiers urbains et dans le périurbain, mais c'est très net, les difficultés sont très nettes en milieu rural. Le délai de prise en charge par les spécialistes est de plusieurs mois. Si je dois prendre l'exemple de mon département, la Lozère, c'est, pour un ophtalmo, c'est 6 mois d'attente. Ils sont deux aujourd'hui en Lozère. 6 millions de Français vivent à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. Et encore, ça dépend le travail qui est fait par les pompiers et par des véhicules sanitaires. Un généraliste en milieu rural couvre en moyenne, c'est intéressant au niveau constat, 30 km² contre 5 km² en zone urbaine. Les ruraux consomment en moyenne 20% de soins hospitaliers en moins. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une sous-médicalisation et que beaucoup de personnes aujourd'hui ne se soignent plus. Et ce qui peut poser de gros problèmes sur l'apparition de pathologies lourdes qui auraient dû être prises en charge beaucoup plus tôt. Le risque de renoncement aux soins est plus important en zone très sous-dotée et on s'aperçoit d'un écart d'espérance de vie entre population rurale et population générale. Le vieillissement du corps médical, d'où la nécessité d'attirer les jeunes professionnels, plus de 50% des médecins ont plus de 55 ans à l'heure actuelle. L'aspiration à un équilibre tant professionnel, tant personnel. Alors, en fait, ce qui vient compliquer la chose, c'est que le médecin actuel, le jeune médecin, n'a plus du tout la même conception du travail qu'avait le médecin de campagne il y a 30-40 ans. Il ne veut pas se déplacer, il ne veut pas travailler la nuit, il veut être tranquille à partir du vendredi 17h jusqu'au lundi 8 ou 9h. Et il renvoie la plupart du temps, on le voit un peu partout aujourd'hui, sur le 15 pendant le week-end. Voilà la réalité et il faut tenir compte de cette réalité.
La pénurie de médecins, travailler en équipe de soins pluridisciplinaires. Là aussi, c'est une évolution. Le médecin, autrefois, vivait seul et avait été propriétaire de sa clientèle, de sa patientèle. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout cette orientation-là. Certains même choisissent le salariat et beaucoup cherchent aujourd'hui l'exercice en commun. Et les dispositifs légaux qui ont jalonné les dernières années s'orientent plutôt sur cette coordination des soins. J'en prends pour preuve la loi Organisation et transformation du système de santé, qui s'oriente d'abord sur une suppression du numerus clausus. Certains avaient dit on va réduire le nombre de médecins parce qu'on en aura moins besoin. La technologie avançant fera qu'on aura besoin de moins de médecins. On s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas et qu'on ne remplace pas le contact du patient avec le médecin. Déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS. Donc, c'est des dispositifs qui permettent aujourd'hui de coaguler tout un réseau de professionnels pour qu'ils puissent travailler ensemble. Création de centres de santé, 200 créations en zone rurale. Je vais essayer de vous trouver d'autres chiffres qui vous montrent l'évolution. Les maisons de santé étaient en 2008 au nombre de 20. Elles sont passées aujourd'hui, en 2017, à 900 maisons de santé pluridisciplinaires. Et aujourd'hui, 1889 maisons de santé pluridisciplinaires. Il s'agit de structures qui permettent un travail en commun d'un certain nombre de médecins, mais également d'infirmiers, d'ergothérapeutes, de kinés, tout ce qui fait la chaîne de santé. Instruction ministérielle d'avril 2022, augmentation des praticiens maîtres de stage. C'est quelque chose qui évolue bien aujourd'hui. Et une augmentation des indemnités en zone rurale. Donc des médecins qui sont installés depuis un certain temps prennent à leur côté des jeunes étudiants qui sont en fin d'études et qui les forment à l'exercice d'une médecine générale en milieu rural. Contrats d'engagement de service public, ce sont des contrats qui permettent à des étudiants en médecine d'avoir des bourses. C'est d'ailleurs complété par souvent des aides des départements, des régions, voire même peut-être des intercos. Loi de finances 2023, la quatrième année d'internat, stage dans les zones déficitaires en priorité, bonne orientation. L'accès direct des patients aux infirmiers en pratique avancée. Alors, les IPA sont une nouveauté. Il en existe quelques-uns sur le territoire français. En Lozère, il y en a un pour l'instant. En fait, c'est un infirmier qui fait 2 ans de plus d'études, au-delà de ces 3 années, et qui peut prescrire, qui peut accompagner des patients à côté d'un médecin. Et ça permet quand même de débloquer un certain nombre de situations. Mesures d'attractivité pour l'exercice médical en zone rurale, beaucoup d'aide. Vous savez qu'en France, il y a un conflit, il y a ceux qui prônent le coercitif, il faut imposer aux médecins de s'installer quelque part, et ceux qui disent qu'il faut faire des mesures incitatives. Donc c'est un débat sans fin. Les syndicats de médecins disent que vous portez atteinte à la liberté d'installation si vous obligez, mais à un moment donné, on s'est aperçu au Canada, qu'ils ont revu toute la formation initiale, ils ont créé des incitations financières, ils ont fait une régulation à travers la localisation spécifique de médecins sur les territoires, et ils ont mis en place des soutiens professionnels et personnels pour des congés, pour des remplacements, et au niveau du Canada, les choses sont plutôt bien placées, bien passées. Nouvelle modalité en cours, vacation de médecins d'autres zones, protocole de coopération entre professionnels, augmentation du nombre d'assistants médicaux. Voilà pour l'essentiel les orientations qui sont en cours et qui pourraient permettre de passer le cap des 10 années qui nous séparent de la suppression du numerus clausus. On aura un apport supplémentaire de médecins dans les années à venir, mais pour l'instant, il faut passer ce cap. Malgré tout ce qui a été fait, on a encore des difficultés. Je n'oublierai pas qu'il existe la téléconsultation, qui dans certains cas répond à des besoins. On a créé également des médecins salariés, 160 médecins salariés avec 2053 assistants. C'est une nouveauté. Donc tout ça participe à une multiplicité de réponses, de mesures permettant de conjuguer, conjurer ou conjuguer, je ne sais pas comment dire, les difficultés liées à ce qu'on appelle les déserts médicaux, même si aujourd'hui on n'est pas tout à fait dans cette orientation-là, on a des difficultés pour trouver le médecin généraliste et le médecin spécialiste. Mathilde.
Merci Pierre. Alors après la santé, la question justement du domaine des mobilités et des tiers-lieux. Dans une partie donc effectivement qui est développer des solutions innovantes pour rompre l'isolement. Alors c'est vrai que le domaine des mobilités, il est vraiment au cœur des difficultés du monde rural. L'usage de la voiture individuelle est devenu, enfin est absolument incontournable. Même si aujourd'hui, malgré les préoccupations climatiques, malgré la volonté de sobriété des jeunes générations qui montent de plus en plus, pour autant, se déplacer en ruralité, si on n'a pas de voiture, c'est quasiment impossible. L'association WeMove et la Fondation pour la Nature et l'Homme, la Nature et l'Homme, tout à fait, montrent d'ailleurs dans leur baromètre des mobilités du quotidien que la facture mobilité des ménages peut approcher, voire même être supérieure au coût de logement lorsque les déplacements se font sur les distances importantes. Or, la flambée du prix des carburants a aggravé la situation pour les ruraux, au point qu'une part importante des Français est dans une situation de précarité pour se déplacer. 13 millions de personnes selon le baromètre dont je vous parlais. L'enjeu est donc aujourd'hui d'adapter les transports locaux jusqu'au dernier kilomètre et jusqu'au tout petit village. Éviter justement que les liaisons de transport public exigent un détour par la métropole pour se rendre d'un point A à un point B. Et également mettre des solutions qui soient le plus fines possible en place, comme l'exige la loi d'orientation des mobilités. Les navettes légères, transport à la demande, etc. Dans le contexte de prise de compétences des autorités organisatrices de la mobilité, l'État n'a aujourd'hui plus qu'un rôle de facilitateur mettant à disposition une base documentaire, outils d'analyse et d'aide aux collectivités. Le rapport présente donc les évolutions qui sont en cours, comme par exemple les programmes d'action de la SNCF dans les territoires ruraux, la remise en service de petites lignes avec des trains très légers, un système de navettes rail-route, les transports autonomes ou encore les nouveaux usages comme le transport à la demande, donc ma course SNCF, sont des expérimentations qui effectivement peuvent être de véritables solutions. La question de la démobilité, donc le aller vers les citoyens, est aussi expérimentée. Dans le domaine des transports d'utilité sociale, nous demandons que soit revu le décret d'application de la loi LOM, décret qui freine le développement de ces transports plutôt qu'il ne les soutient, selon les acteurs de la ruralité que nous avons entendus au cours de nos auditions, donc depuis le mois d'octobre dernier. Nous évoquons ensuite les actions du plan de relance pour redynamiser les territoires grâce à l'outil tiers-lieu qui répond à des aspirations actuelles de la ruralité. Alors c'est une autre solution innovante, mais c'est vrai que le milieu rural où ont longtemps été présentes de nombreuses actualités industrielles, artisanales, commerciales, etc., doit conserver ou retrouver une diversité d'emplois et également de compétences d'attractivité. Nombre d'entrepreneurs ruraux également font aujourd'hui face à des difficultés de recrutement de main-d'œuvre. La re-territorialisation de l'emploi et sa diversité justement participent à la croissance verte française. L'économie sociale et solidaire est un véritable atout pour sa dynamique. Cette politique s'est incarnée en 2022 par la création du groupement d'intérêt public France Tiers-Lieux. L'ANCT a développé et labellisé 400 tiers-lieux depuis 2019, dont 300 fabriques de territoire, 100 manufactures de proximité. Mais en dehors de ce processus de labellisation, les tiers-lieux sont beaucoup plus nombreux. On en compte aujourd'hui 3500, qui vont s'en centrer sur différentes thématiques. Ça peut être du coworking, de la fabrication numérique, de la culture, de l'innovation sociale, de l'artisanat, etc. 82 millions gérés par la ANCT ont été déployés pour soutenir l'amorçage de ces tiers-lieux entre 2019 et 2022, auxquels sont venus s'ajouter 50 millions pour développer l'offre de formation dans les tiers-lieux en coopération justement avec le ministère du Travail. Les tiers-lieux se sont donc vraiment véritablement ancrés dans le paysage rural comme des lieux hybrides, économiques, artisanaux, culturels, d'innovation. Mais c'est aussi des lieux de sociabilité citoyenne qui redonnent vie au village. Et ça, je pense que c'est vraiment le... Alors, ce n'est pas forcément leur cœur, mais c'est vraiment un des points principaux, le fait d'avoir cette capacité à tisser des liens entre les personnes au-delà des thématiques pour lesquelles ils ont été créés. Et donc, effectivement, nous considérons qu'une stratégie doit être conçue pour la durabilité de ces tiers-lieux, passer par une meilleure définition juridique, la recherche de solutions qui soient adaptées pour le foncier qui est occupé par ces structures. Le modèle économique également de ces endroits qui sont encore fragiles. Ainsi, 50% étaient à l'équilibre en 2019, selon justement un rapport de France Tiers-lieux, 30% étaient en déficit. Donc, nous avons vraiment... Enfin, il y a une vraie question et un véritable... engagement. Le soutien public apparaît véritablement crucial pour ces structures qui parfois sont dans des zones extrêmement rurales et qui restent un des rares éléments structurants de nos territoires. Nous soutenons, comme en 2019, l'abondement du Fonds de développement de la vie associative, le FDVA, pour pérenniser les tiers-lieux associatifs des zones rurales. Et nous insistons sur le fait que l'intervention du FDVA ne devrait pas
éliminer par principe les demandes de soutien qui sont peu élevées. Car une subvention peu élevée peut contribuer pour autant au maintien d'une petite structure jouant un rôle unique dans un territoire très rural, ou bien alors d'apporter un soutien ou un développement, ou en tout cas de donner une impulsion à des projets. Nous consacrons enfin un développement aux actions en cours pour les petites structures d'accueil collectif destinées aux personnes âgées, contribuant à créer du lien social et à assurer le suivi médical, à remédier à l'isolement. Par exemple, l'appel à manifestation d'intérêt fabrique un projet Habitat Inclusif qui est porté par l'ANCT et lancé en 2021 pour développer 500 projets d'habitat inclusif d'ici 2026. Nous citons d'ailleurs aussi les maisons d'accueil rural pour les personnes âgées, les MARPA, car 25% des personnes âgées vivent en milieu rural. Pierre, c'est à toi. À la fin de ce rapport, vous trouverez donc un suivi des propositions du rapport de 2019. Donc, les administrateurs du comité ont fait un travail sérieux et précis pour bien indiquer ce qui avait été évolué, ce qui était moyennement, ce qui avait moyennement évolué, puisque ce qui n'avait pas été fait. Donc, il ne s'agit pas d'ailleurs de porter un jugement sur l'action publique, mais simplement faire un constat des lieux sur ce qui avait été dit en 2019 et ce qu'on peut constater en 2023. Mais au-delà de ça, vos rapporteurs, je dirais le vieux et la jeune, dans une conception croisée. On souhaitait également dire, au-delà du rapport, allant un peu plus loin sur le milieu rural, que nous sommes attachés au droit à la compensation du territoire rural et à la différenciation qui a été créée par la loi 3DS, que nous souhaitons que la culture rurale puisse être mise en œuvre dans tous les cabinets ministériels, dans les préfectures, dans les administrations centrales, parce qu'il y a des dispositifs spécifiques pour la montagne, pour les DOM-TOM, pour la Corse, mais globalement, les territoires ruraux devraient faire l'objet de dispositifs spécifiques. On a listé 12 orientations. Pérenniser les dispositifs fiscaux et sociaux en faveur des zones rurales, c'est essentiellement les zones de revitalisation rurale. Ça permet de recréer l'attractivité économique que nous n'avons pas ou qui nous fait défaut. Clarifier la nébuleuse de toutes les dotations financière qui existe à l'heure actuelle. Alors vous avez passé de la DETR à la DECIL, à la FNADT, et un certain nombre de crédits qui sont spécifiques au ministère de la Culture, au ministère de la Santé, au ministère de l'Aménagement et Territoire. Donc c'est assez compliqué. Favoriser l'ingénierie rurale. Les maires, les petites communes ont besoin d'un accompagnement, et souvent des cabinets privés coûtent cher, et l'ingénierie devrait être prise en charge par l'État, et ça aiderait beaucoup les communes rurales. Je vous rappelle que nous sommes à 50% de communes de moins de 1000 habitants en France. Élargir le bouquet d'offres de maisons de services, comme Mathilde a pu le dire. Faire en sorte que chaque préfecture et sous-préfecture accueille une maison de service. Alors, l'expérience est menée déjà. Il y a des maisons de service sur l'ensemble du territoire, mais un point central en préfecture, donc un guichet ouvert au titre de France Service, permet d'avoir une sorte de tête de pôle là, qui permet ensuite d'irradier sur l'ensemble du territoire, y compris la notion de sous-préfet mobile. C'est une notion qui apparaît dans certains rapports des inspections générales et qui permettrait, les sous-préfets ont une culture juridique et financière et peuvent aider soit des citoyens, soit des porteurs de dossiers économiques, soit des maires dans la recherche de financement public. Créer des guichets citoyens pour répondre aux actes essentiels de la vie, c'est une orientation du ministre Guérini qui va apparaître dans quelques jours. Faire de la différenciation, je l'ai déjà dit, un automatisme de déploiement d'une politique publique. Nous sommes à part et donc il est nécessaire que les dotations et les normes juridiques soient différenciées. Mettre en place une aide financière pour le dernier commerce rural qui pourrait être considéré comme un petit commerce, un petit service public, comme c'est le cas du buraliste aujourd'hui qui a une dotation de service public. On pourrait mettre en place quelques dotations de l'ordre de 250 à 300 euros par mois et qui permettraient à certains commerces d'exercer une activité d'ouverture aux citoyens, un petit rôle de service public tout en ayant une activité commerciale. L'accès à la santé comme priorité, première demande aujourd'hui de tous les citoyens. Favoriser l'implantation de grandes écoles et de structures d'accueil de la petite enfance. Il y a aujourd'hui des réflexions sur des délocalisations universitaires. Accompagner le développement du télétravail, c'est très recherché, en créant des télécentres et des tiers-lieux.
Le télétravail n'est pas du travail à 100% à domicile. C'est toute forme de travail qui se fait hors de l'entreprise et qui peut se faire un peu partout, à la fois dans une salle polyvalente, dans une mairie, dans une salle socioculturelle. Et il y a des départements qui se sont beaucoup développés là-dessus, notamment le Cantal. Et c'est une bonne chose. On a un local dédié au télétravail. Faire de la culture et de la richesse patrimoniale rurale un vecteur touristique majeur. Vous savez que j'ai été l'auteur de la loi sur le patrimoine sensoriel des campagnes. Aujourd'hui, on essaye de préserver les spécificités de la ruralité, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de conflits de voisinage et il faut préserver donc les données réelles de la ruralité. C'était la fameuse affaire du coq Maurice qui a défrayé la chronique. Mais si on y fait gare, si on n'y prend pas garde, dans quelques années, on aura des conflits majeurs entre des nouveaux arrivants et des personnes qui vivent là depuis longtemps. Favoriser les transports et notamment les moyens de transport public. Et puis, on ne l'a pas indiqué, mais on rajoute, effectivement, faire une réponse adaptée à la personne âgée. On a beaucoup de personnes âgées dans les territoires ruraux. On a des EHPAD, on a l'aide à domicile, et au milieu, il peut y avoir l'habitat inclusif qui serait une réponse un peu nouvelle. Il y a des appels à projets de l'État, il y a des départements qui se lancent. C'est des petits modules de 6, 7, 8 petits studios avec une personne qui est un peu gouvernante et on supprime l'isolement, on crée de la vie, du lien social et ça peut être une nouvelle réponse par rapport à l'EHPAD qui la réponse est un peu finale mais qui n'est pas très favorable dans la prise en considération de la personne âgée. Voilà. Le rapport qui nous a occupé quelques mois avec Mathilde, on s'est bien entendu, aucune discordance, la même vision, mais c'était intéressant avec, je le redis, une jeune députée qui a une vision donc moderne, un député un peu plus ancien qui a une vingtaine d'années de présence dans cette maison, et on est arrivé à trouver un certain nombre d'axes de travail en commun. Sans difficulté majeure, et donc ça a été un plaisir renouvelé. J'ai fait beaucoup de rapports avec le CEC et j'ai trouvé toujours la même efficacité de la part des administrateurs de cette structure qui, alors comme on ne vous le dit pas souvent, je tenais à vous remercier de toute l'implication et Dieu sait, des fois, si on vous embête en vous demandant de rajouter au dernier moment des choses et de corriger tel ou tel paragraphe. Voilà, mais c'est la vie aussi parlementaire. On est des sentinelles de territoire, on est des aiguillons et on essaye de faire passer quelques idées. Et avec Mathilde, aujourd'hui, on est très heureux d'avoir contribué un peu à mettre la ruralité en exergue. Merci de votre attention. Alors, je rajouterai juste un tout petit mot en Merci. allant exactement dans le même sens que toi, Pierre. Donc, effectivement, je ne vais pas redire tout ce que tu as dit, parce que je fais un copier-coller tout simplement de ton discours, enfin, de ta conclusion. Remercie à nouveau, effectivement, les administrateurs et l'équipe du CEC. Te remercie aussi, effectivement, parce que l'échange, effectivement, était extrêmement intéressant entre cette vision de l'ancien député et du jeune député. Mais c'était très intéressant. Et je voudrais juste rajouter un dernier petit mot en conclusion. Alors là, c'est par rapport au rapport qu'on a rendu, juste de garder, qu'on est tous à l'esprit, que dans un certain imaginaire collectif, on ne voit pas forcément la rue. Réalité telle qu'elle est, mais dans la réalité, la ruralité, c'est 88% des communes de France. Donc en fait, in fine, ça nous place comme le deuxième pays de l'Europe le plus rural après la Pologne. Voilà, juste de garder ça à l'esprit et que la ruralité, c'est pas juste un petit point comme ça en France, c'est vraiment une part extrêmement importante. Et on a 33% de la population française qui habite, tu l'avais dit en intro de mémoire, mais voilà, de reconclure aussi par ça, parce qu'effectivement, c'est au final, c'est quasiment tout notre territoire qui est concerné par ça, par ruralité. Merci. Voilà, y a-t-il des questions dans la salle? Madame de Cotes, vous avez la parole. Madame la vice-présidente, mesdames les rapporteurs, chers collègues, tout d'abord, je voulais vous remercier pour la qualité et la vivacité de vos travaux ici présentés. Ils font écho, hein, étant commissaire dans la commission développement durable et aménagement du territoire. Nous auditionnons encore dernièrement le
le directeur, président directeur général de la SNCF et la question des petites lignes et de la ruralité, etc., bien évidemment, a été posée. Je me permettrai peut-être, si vous m'autorisez, monsieur le rapporteur, puisque vous indiquiez de rajouter dans les nouvelles propositions, bien évidemment, de concentrer les efforts également sur l'habitat inclusif. Pensez-vous que la question aussi de l'adaptabilité des logements, de son adaptation au vieillissement, est une bonne question, puisqu'avec une autre casquette, étant élu au Conseil départemental du Nord, nous travaillons beaucoup sur ces questions-là, notamment pour la Flandre intérieure. Je voulais savoir si cette question avait pu être soulevée dans vos différents travaux et si c'était une thématique qui vous semble un enjeu pour poursuivre ces travaux. Merci. Les deux questions et puis vous répondrez. Voilà, si vous voulez bien. Monsieur Laparonne. Oui, alors, madame la vice-présidente, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, je m'associe aux remerciements pour la qualité de ce travail. Peut-être noter que c'est le premier travail d'évaluation parlementaire du déploiement des mesures de l'agenda rural. Et je trouve que c'est vraiment une initiative très très intéressante, parce qu'on a déjà eu des travaux d'évaluation, d'inspection, là je trouve que l'approche par des élus de terrain, en proximité, de parlementaires, c'est vraiment un travail qui était nécessaire et je crois très très utile. Alors, peut-être des observations avant les questions, les observations sur le travail qui a été proposé, le rapport qui nous est donné à lire. Vous mettez en avant les aspects positifs de l'agenda rural, et notamment pour moi quelque chose de très important qui est effectivement la définition des nouveaux territoires ruraux. Parce que jusqu'à présent, on avait une définition en creux des territoires ruraux, c'était des territoires qui n'étaient pas urbains. Donc quand vous avez une définition en creux, vous avez des politiques publiques en creux. Bon, maintenant, on a une définition claire des territoires ruraux et donc une politique publique qui peut être beaucoup mieux ciblée en direction de ces territoires. On le sait, il y a quatre niveaux maintenant de densité par kilomètre carré. Enfin bon, les territoires très très peu denses, peu denses, intermédiaires et métropolitains. Et on voit bien qu'il peut y avoir des conflits pour des communes qui habitent dans des territoires intermédiaires. Qui disent maintenant tout va vers les territoires ruraux. Hein. Moi, j'entends ça de la part du maire de Mont-Louis, du maire d'Amboise, qui est catalogué dans ce qu'on appelle les territoires intermédiaires dorénavant, et qui me disent on n'a plus accès à certaines subventions, certaines aides, parce qu'on n'est pas territoire ruraux. Je dis oui. Effectivement, mais votre commune est peut-être davantage dotée en services, en recettes fiscales, etc. Bon, donc moi je crois tout à fait utile d'avoir une définition claire pour une politique publique claire. Je ne reviens pas sur tous les éléments que vous avez évoqués, les maisons France Service, la question du numérique, tout ce que nous avons fait s'agissant de la santé, hein. Mais peut-être m'interroger sur les manques et vous demander les raisons pour lesquelles vous n'avez pas choisi d'aborder ces points-là. Par exemple, ce qui me semble quelque chose de très intéressant dans le domaine de la culture, c'est les microfolies. Moi, j'ai dans ma circonscription une commune, 450 habitants, qui a mis en place une microfolie. C'est la plus petite commune de France qui bénéficie d'une microfolie. C'est extraordinaire. En termes d'accès à la culture, en territoire rural, bien évidemment, ça demande beaucoup d'engagement, d'investissement, de mobilisation des élus locaux pour permettre aux EHPAD de venir, aux écoles de venir, aux centres sportifs de venir, mais... ça crée du lien et il y a là un point très très fort de culture en milieu rural.
Peut-être aussi, s'agissant des PVD, vous n'en parlez pas, dans des petites villes de demain, vous n'en parlez pas dans votre, travail. Également, les dispositifs que nous avions imaginés dans le cadre de ce rapport sur l'agenda rural, autour des volontaires territoriaux en administration, les VTA, un peu le pendant des VTE, eux-mêmes le pendant des VIE, mais VTE et VTA sont vraiment dédiés aux territoires ruraux. Alors, voilà. Pourquoi n'avez-vous pas évoqué ces points-là ? Manque de temps, parce que peut-être pas totalement identifié dans le cadre de l'agenda rural. Et puis, peut-être aussi vous voir avec vous certains points s'agissant de la culture. Il me semble qu'il y a, un angle mort à ce niveau-là, s'agissant des églises communales qui ne sont pas classées. Je crois que là, il va falloir vraiment un plan Marshall. Hein. Parce que moi, quand je me déplace dans les communes rurales de ma circonscription, s'agissant des églises non classées, ce que je constate, c'est l'augmentation du périmètre de sécurité autour de l'église. C'est-à-dire que, voilà, le seul moyen qu'ont les maires, c'est de prendre leurs barrières métalliques et d'élargir le périmètre de sécurité autour de l'église. Bon, c'est pas très satisfaisant. On avait préconisé dans le rapport que les subventions de la DRAC, s'agissant des aides, des subventions, soient prioritairement fléchées vers les territoires ruraux. Je ne sais pas précisément si ça a été fait. Moi, j'ai demandé à ma DRAC, de la région Centre-Val-de-Loire, d'avoir un petit peu un bilan des subventions attribuées. J'attends toujours, je vais relancer, s'agissant de l'éducation. On avait souhaité que, par exemple, les collèges en milieu rural soient mieux dotés, budgétairement parlant, pour prendre en compte leur spécificité en milieu rural. Moi, dans ma circonscription, c'est le cas. Mais, voilà, est-ce que, sur ce point, il y a bien eu une instruction et les collèges ruraux sont-ils bien mieux dotés pour, par exemple, prendre en charge des bus qui amènent les collégiens vers des manifestations type découverte des métiers de l'industrie, par exemple. S'agissant des enfants en difficulté, des personnes en situation de handicap, il y a un référent, normalement, handicap, maintenant, dans des arrondissements. Est-ce que ça fonctionne bien? Je ne sais plus très bien quel est l'acronyme de ces référents, mais est-ce que ça fonctionne bien? S'agissant de la... Mais c'est intervenu assez récemment, donc vous n'avez pas pu le prendre en compte dans votre rapport, mais la Première ministre a fait des annonces fortes s'agissant de la fermeture des classes dans les écoles en milieu rural. Je crois qu'il faut vraiment suivre ça de près. Également, s'agissant des dotations DETR, des CIL, maintenant fonds verts, nous avions souhaité que la DETR en particulier, comme son nom l'indique, dotation des équipements des territoires ruraux, soit exclusivement réservée aux territoires ruraux. Et moi, je constate dans mon département, métropole de Tours, commune métropolitaine, eh bien, encore beaucoup de DETR est fléché vers des communes appartenant à la métropole de Tours. Donc il y a une forme de dévoiement, là. Et à chaque fois, dans la commission DETR, je rappelle que ce n'est pas l'idée qui doit prévaloir dans le cadre de l'attribution des subventions, notamment DETR. Voilà que je voulais dire en bref, il y aurait bien évidemment beaucoup d'autres choses à dire. Un point quand même, malgré tous les efforts faits par le gouvernement, par les animateurs de l'agenda rural est quand même assez méconnu dans nos territoires. Malgré tout ce qui est fait, malgré le déploiement de l'ensemble des mesures de l'agenda rural, moi, je rencontre beaucoup de collègues qui me disent « Moi, le sous-préfet à la ruralité, je ne sais pas qui c'est dans mon département. » Pourtant, il y en a un. C'est une instruction qui a été
donné à l'ensemble des préfets de désigner un sous-préfet dédié à la ruralité. Bon, alors, est-ce que, par exemple, dans les comités de relance et de cohésion des territoires, qui normalement se réunissent une fois par semestre, est-ce qu'il y a un point agenda rural ? Moi, dans mon département, oui, j'y veille, c'est carré, les préfets changent, mais ça change pas. Mais dans les départements, est-ce que c'est le cas ? Je crois pas. Bon, donc, comment faire pour mieux faire connaître les mesures de l'agenda rural, d'autant que, vous le savez, vous ne l'avez pas évoqué, mais il y a un acte 2 de l'agenda rural qui se déploie, qui travaille, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de ces mesures de l'acte 2 de l'agenda rural. Je crains que les mesures de l'agenda rural acte 1 n'ayant pas été bien connues, on se dirige aussi vers une méconnaissance des propositions de l'acte 2 de l'agenda rural. Comment mieux faire connaître l'agenda rural auprès de nos collègues, auprès des maires, auprès des présidents de communautés de communes? C'est vraiment une question que je me pose et à laquelle je n'ai pas beaucoup de réponses, même si j'ai pu faire beaucoup de déplacements à l'invitation de mes collègues dans leur circonscription pour parler de l'agenda rural. Le constat, c'est que cet agenda est un peu mal connu de l'ensemble des élus. Je vous remercie. Bien sûr. Merci. Voilà. D'abord, je vais répondre à notre collègue. Effectivement, d'abord, en introduction, il ne faut pas se méprendre sur le rapport actuel. C'est un rapport qui est dans le cadre du CEC, qui partait d'un rapport de M. Dufresne et de M. Mattei. Et c'est dans ce cadre-là qu'on nous a demandé de revenir sur les avancées et les propositions de ce rapport. Donc, évidemment, ça n'embrasse pas tout. Le logement, bien évidemment, fait partie intégrante des difficultés rurales, surtout autant qu'on a le ZAN qui apparaît de plus en plus. Donc, on va avoir la nécessité de rénover nos bâtis. Si je prends toujours l'exemple de la Lozère, on a du bâti qui est soit calcaire, soit granit. La simple petite maison, c'est 200 000 ou 300 000 euros de travaux, avec des toitures en lauze, souvent exigées, pour conserver le caractère authentique. Donc l'aide à la pierre, et des aides diverses et variées pour rénover nos centres-bourgs, c'est fondamental. Et donc c'est un sujet sur lequel nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Concernant, alors vous nous avez parlé de l'agenda rural, alors ça va au-delà de notre rapport. Écoutez, moi je vous rejoins parce que depuis le temps qu'on dit des choses sur la ruralité, depuis le temps qu'on écrit des propositions, l'agenda rural, il y avait, je crois, 182 mesures. Hein, un peu. 200 mesures. Mesures. 21 retenues par Edouard Philippe. Oui. Et un très grand nombre de ces mesures se sont déployées. Oui. Alors, les microfolies, Mathilde en parlera parce qu'on a dit un petit mot là-dessus. Sur les PVD, c'est rattaché à l'ANCT, c'est là où on dit qu'il faut faire un bilan d'activité de l'ANCT et voir si les appels à projets sont suffisants. VTA, on en a touché un petit mot, elle en dira également. Les églises, on vous rejoint totalement, préservées. Tout ce qui est école, formation, alors on n'est pas allé sur ce sujet-là, mais bien évidemment, alors vous savez que dans les ZRR, en dehors des avantages fiscaux et sociaux des ZRR, il y a aussi des dispositifs particuliers pour qu'on ait des dotations supplémentaires, notamment dans les communes rurales, et on a souvent des dotations qui sont meilleures que dans l'urbain, des classes à moins de 17 élèves, comme c'est le cas chez moi, collège et lycée. L'handicap, bien évidemment, alors je suis bien placé puisque on a 47 centres de personnes handicapées en Lozère. C'est l'histoire de la Lozère, c'est lié à un curé, l'abbé Oziol, et à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban-sur-Limagnole. Et on a aujourd'hui, c'est le premier employeur. On a les ZAT, on a les CAT, on a les foyers de vie, on a les IME, les IMPRO, les MAS, on a tout le dispositif. Et on fait beaucoup. Mais attention à ne pas abîmer l'institutionnalisation sous prétexte d'une doctrine du tout inclusion qui n'est pas forcément acceptable partout. Les préfets doivent désigner dans chaque département. Chez moi, c'est la secrétaire générale qui prie dans
l'amplitude de son activité ne développe pas une action spécifique sur les territoires ruraux. Et la DETR, j'ai la chance d'être le seul député de du département. Et donc le préfet est obligé de tenir compte que je sois le seul. Et donc on a trouvé comme solution de co-animer la DETR en quelque sorte. Et il me dit, qui mieux que vous et le sénateur ou la sénatrice pourrait me dire les priorisations qu'il faut faire. Et on essaye alors entre communes rurales, petites communes rurales et EPCI, que les EPCI ne mangent pas tout et qu'on en laisse un peu aux communes et qu'on reste vraiment dans la qualification rurale. Et qu'on, il y a d'autres crédits, et alors il y a du FNADT, il y a d'autres crédits qui peuvent aller sur l'urbain, et il faut que la DETR ait peut-être rappelé dans les circulaires DETR que c'est orienté exclusivement sur le milieu rural. On souhaitait dire un petit mot sur la déconcentration globalement à la française et sur la décentralisation. On a quelques sujets quand même sur les EPCI, sur l'institution départementale, sur les régions, XXL, et sur la loi NOTRe, et les urticants de la loi NOTRe. Voilà, donc on n'a pas parlé de ça parce que ce n'était pas tout à fait le corps de notre rapport, mais si on doit développer au-delà, moi je vous rejoins sur, malheureusement, l'agenda rural est resté un exercice un peu théorique. Et c'est vrai que dans un département comme la Lozère, je ne suis pas sûr que les 157 maires, les 10 présidents de communautés communes, sachent vraiment ce que c'est. Alors il faut le répéter, il faut le rappeler par des correspondances, par les associations aussi d'élus, qui est l'association des maires ruraux, qui fait un travail très, très technique et de bon niveau. Et il faut rappeler aussi tout le travail sur la norme. Il faut adapter la norme à nos réalités. On a de vrais problèmes d'adaptation de normes. La différenciation est un joli mot. Qu'est-ce que la différenciation vue par la loi 3DS va être? Quel est le champ de la différenciation? Et que dira le Conseil constitutionnel dans l'amplitude de la différenciation? Voilà, c'est des sujets passionnants. Et on n'est pas trop nombreux dans cette Assemblée nationale à défendre la réalité et la spécificité des territoires ruraux. Mathilde, c'est toi qui vas conclure. Alors, conclure, je ne sais pas, mais en tout cas, rajouter au moins quelques éléments. Alors, c'est vrai que les microfolies, on l'a évoqué notamment dans notre conclusion. Alors, c'est vrai que c'est un véritable succès culturel, hein, ça, je vous rejoins complètement là-dessus. Dans nos zones rurales, dans le Loir-et-Cher, donc, qui effectivement est mon département, on a été le premier département à avoir une microfolie itinérante au travers des bibliothèques. Voilà. Bon, après, il y a aussi la maison de Bégon à Blois, mais là, on est plus dans le côté urbain et plus moins dans le côté rural. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça reste des véritables succès culturels, ça reste encore des endroits qui sont encore à développer, à conforter, exactement un peu dans la même idée que les tiers-lieux. Et les politiques d'aménagement aussi, donc les fameuses petites villes de demain, je vous rejoins aussi complètement là-dessus, et ça apporte en plus de ça, vous avez l'ANCT, le soutien précieux en ingénierie qui est derrière, qui est extrêmement important. Montrichard est une des villes de ma circonscription justement qui en bénéficie, et c'est vrai que c'est extrêmement important. Je voulais revenir aussi, pardon ? Comme Blairette. Oui. Oui, tout à fait. C'est pas très loin. C'est à côté, nos voisins. Et puis, je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport... Vous avez parlé de la culture. Et dans la proposition numéro 11 que nous faisons, justement, c'est faire de la culture et de la richesse patrimoniale rurale un vecteur touristique majeur. Alors, on le sait, hein, le patrimoine, enfin, la ruralité est largement dotée en termes de patrimoine rural, en termes de patrimoine architectural, l'histoire. Et c'est vrai que... ce potentiel, pour peu qu'il soit préservé et mis en valeur, peut déboucher sur une véritable économie derrière, présentielle, mais aussi touristique, qui à la fois est diffuse et redistributive, et c'est extrêmement important. Or, le patrimoine, quand même, et son entretien demeurent tout de même tributaires de la présence humaine qui est permanente dans le territoire ou pas, en fonction de cette évolution. La récente loi sur le patrimoine sensoriel de 2021, justement, témoigne de la nécessité de valoriser nos espaces ruraux. Donc ça, c'est vrai que c'est extrêmement important. Là aussi, au-delà de l'aspect, effectivement, DRAC, etc., et pécunier, je trouve qu'il y a aussi l'importance à valoriser et à aider au développement des labels tels que les petites cités de caractère, mais aussi d'autres labels qui existent, comme les communes du patrimoine rural de Bretagne, et qui, pour moi, sont à aider dans la généralisation. Voilà, bon, ça, c'est...
j'en parle un tout petit peu, mais c'est une des choses, un des échanges que j'ai justement avec eux en ce moment pour trouver justement des toutes petites communes qui pourraient être territoires d'expérimentation pour développer ce label qui tourne extrêmement bien en Bretagne et qui permet de valoriser justement, qui rejoint complètement vos propos sur la valorisation de la culture et la préservation et la sauvegarde du petit patrimoine rural. Voilà ce que je voulais rajouter comme élément. Je rebondis rapidement sur la loi sur le patrimoine sensoriel. J'étais l'auteur, le rapporteur. Lorsque j'ai déposé cette proposition de loi qui concerne la protection des bruits et des odeurs de la campagne, au Conseil d'État, je l'ai soumise au Conseil d'État. Certains se sont un peu moqués pour ensuite me dire « vous avez mis le doigt sur un sujet ». Les troubles de voisinage, les troubles illicites de voisinage. Donc la proposition de loi a permis d'intégrer ce concept dans le patrimoine de la nation. Et aujourd'hui, on s'aperçoit d'une certaine résistance des administrations pour définir les inventaires, puisque nous avons décidé dans l'article 2 de faire des inventaires régionaux qui sont en principe sur la compétence des conseils régionaux. Et nous éprouvons quelques difficultés que j'ai portées à connaissance du gouvernement, de la présidente de l'Assemblée nationale, de la présidente de la commission culture, pour mettre en place les inventaires régionaux qui permettraient de déterminer la réalité de nos terroirs. Quand vous pensez que, alors, en dehors de l'affaire du Coq Maurice, dans une commune des Bossés, un couple est venu voir le maire des Bossés pour lui demander, un jeune couple qui s'installait sur la commune, pour lui demander d'acheter du pesticide. Le maire ne comprenait pas la demande, et c'était pour éradiquer la cigale. Donc quand on en est à cela, et on peut parler d'autres choses, d'autres éléments, évidemment le lisier en milieu rural, en élevage, le fumier, etc., ça sent mauvais, momentanément, mais il faut à un moment donné comprendre que la campagne a ses bruits et ses odeurs. Et donc on est là pour essayer, nous parlementaires, de préserver cet acquis. Très bien. Ah, allez-y, peut-être, je vous en prie. Permettez, je crois que s'agissant de la culture et ce que vous venez de dire sur le développement économique qui peut être associé au développement culturel, patrimonial, on pourrait faire des propositions très, très concrètes. Alors, je ne sais pas avec quel véhicule législatif, mais par exemple, dans le cadre de l'agenda rural, on a inventé la licence 4 light, c'est-à-dire les communes rurales qui n'ont pas de licence 4, elles vont voir les services préfectoraux, elles demandent une licence 4 et elles peuvent en obtenir une gratuitement. Bon, ensuite, la commercialisation de la licence 4 en question ne peut se faire qu'à l'intérieur de la communauté de communes. Bon, pour éviter... Pardon ? Et les prix ont augmenté. Les prix ? Oui, les licences 4, c'est 11 000 euros. Oui, mais les licences 4 traditionnelles. Hein, vous savez qu'en plus, jusqu'à ce qu'on modifie ce dispositif, mais les licences 4 étaient commercialisables dans toute la France. Maintenant, elles ne sont commercialisables que dans la région d'implantation de cette licence 4. Bon, donc licence 4 traditionnelle et licence 4 light, qui ne peuvent être commercialisées que dans le périmètre de la communauté de communes. Mais je crois qu'on pourrait imaginer une troisième licence 4 qui ne soit pas la licence 4 traditionnelle, la licence 4 light, mais une licence qui serait adossée à des établissements qui participent à du tourisme œnologique. Parce que lorsque vous visitez une cave, eh bien vous ne pouvez, les viticulteurs ne peuvent pas commercialiser ou faire payer un prix de dégustation. C'est forcément une dégustation gratuite. Bon, alors, ça pose un problème au niveau du modèle économique. Mais si ces établissements avaient la possibilité de commercialiser, de proposer une dégustation payante, eh bien, du point de vue de leur compte d'exploitation, ça améliorerait les choses. Mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas de licence adossée à leur activité de nos tourismes. Voilà. S'agissant des monuments historiques, des châteaux qui sont visités et qui sont des vraies locomotives de développement économique. On vient visiter des châteaux, donc ça crée de l'activité pour les restaurants, pour les bars, pour les maisons d'hôtes, etc. Sauf que la fiscalité adossée à cette propriété, à ces propriétés-là, c'est une fiscalité qui date
du temps où on parlait des châtelains. Non, il faut parler des chefs d'entreprise qui exploitent commercialement des châteaux et qui en font des locomotives du développement rural. Et par exemple, s'agissant de la transmission de ces domaines, de ces maisons exceptionnelles à des enfants, on est au Moyen-Âge, enfin pas au Moyen-Âge, mais on est dans le cadre d'une fiscalité extrêmement confiscatoire. Voilà. Parce qu'on a toujours l'idée que voilà, les châtelains sont riches et qu'il faut les taxer de manière très très importante. Bon, bref, il y a des vrais sujets à la fois dans le domaine commercial, mais également dans le domaine de la fiscalité patrimoniale. Et je crois qu'il faudrait qu'on s'y intéresse. Très bien, merci chers collègues pour vos interventions. Madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, je tiens également à vous remercier pour la qualité des travaux que vous avez conduits. Et effectivement, les quatre points que vous nous avez présentés, l'accès aux services publics, à la santé, au numérique, à la mobilité, font écho dans nos territoires. J'ai aussi un territoire rural et j'apprécie beaucoup aussi que vous ayez pu en même temps mettre en avant la dynamique qui est à l'œuvre actuellement. C'est important et je crois qu'il nous appartient aussi de relayer cette dynamique pour pouvoir changer un petit peu l'approche que nous avons de ces territoires qui connaissent certes une forme d'isolement, mais à laquelle nous voyons bien que beaucoup de choses ont été mises en œuvre pour parer à cela. Donc merci beaucoup. Chers collègues, sauf objection pardon, de votre part, je vous propose d'autoriser la publication de cet très intéressant rapport. Il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé. Merci à toutes et tous.